Bizarre, non, avec ce truc. Alors, si tu viens de débarquer sur ma chaîne et que tu comprends pas pourquoi je ressemble à ça, ou pourquoi je perds du temps, il y en a qui me disent ça. Pourquoi tu perds du temps à faire ça? Ça me rend heureuse. Pourquoi je suis comme ça? Eh bien, c'est parce que j'avais envie de reproduire l'œuvre d'un dessinateur que je suis sur Instagram. Vous pouvez aller voir son compte en cliquant dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien vers son Instagram. Voilà, pourquoi? Parce que j'avais envie, parce que j'adore les illusions optiques, parce que c'était... Niveau technique, c'était pas facile, donc je voulais un petit peu challenge. Et voilà, c'est tout. Si t'as envie de voir comment je peins ce bidule bizarre, eh bien, il y a un truc sur la langue là. Si tu veux savoir comment j'ai fait ça, continue à regarder et je te retrouve à la fin du tuto. Je pèle. Bon, mais c'est parti. Allez, je commence par m'hydrater parce que j'ai la peau vraiment très sèche comme d'habitude. Je fais des masques en fait avant mes maquillages pour avoir la peau bien propre et bien tirée. Et du coup, elle est un peu sèche. Donc je mets de l'huile de rosée sauvage pour ceux que ça intéresse. Ok, pas du tout comment je vais faire ce maquillage, dans quelle heure je vais faire des trucs. C'est un peu freestyle là. Alors, ensuite on va mettre du primer pour que tout tienne plus longtemps et que les pigments soient plus pigmentés. Non mais pas trop ça. Ça dure quand même longtemps ce produit, ça fait presque un an que je l'ai. Et j'en mets beaucoup, trop, bref. Alors c'est là où je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme photo en fait de référence. C'est un artiste sur Instagram que je suis. C'est un artiste contemporain, oui, puisque je le suis, il est encore vivant. Bref, ça pourrait être quelqu'un de mort dont une personne tient le compte. Enfin bref. Donc cet artiste, il fait des dessins sur ordinateur. Peut-être aussi des vrais tableaux, mais je suis pas sûre. Je suis essoufflée car je suis excitée. Comme toi. Et en fait, il fait des choses très abstraites, très modernes, des illusions, illusions d'optique, des trucs parfois un petit peu angoissants, mais hyper intéressants sur le plan voilà, artistique. Et ça fait longtemps que j'ai sauvegardé cette photo, et donc je vais m'en servir pour faire mon maquillage. Je vais faire pratiquement la même chose à une couleur près. Alors attendez, que je trouve la photo. Illusion, bah j'en ai pas. C'est où? Ah si, non. Je n'ai plus. Ah si, c'est là, j'ai du mal. Alors, illusion, j'espère que je l'ai enregistré dans illusion. Eh bien non. Forcément, peut-être inspo. 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 Bon bah je l'ai pas enregistré là, je vais être obligée de regarder dans le dossier, il y a tout. Je suis désolée. Heureusement que je suis pas live, sinon vous seriez là à attendre. Bon, vous savez ce que je vais faire puisque vous avez vu la vignette et le maquillage au début de la vidéo, mais quand même je veux rendre hommage à l'artiste dont je me suis inspirée parce que voilà, c'est normal, ils vont clairement des choses, c'est que je vous montre quand même où est-ce qu'elle est. Mais je ne le vois pas. C'est toujours quand tu veux trouver des trucs que tu ne trouves pas. Vous avez déjà remarqué ça quand vous voulez faire un truc vite, que ça ne marche pas. Où est-ce qu'il est? C'est une blague. Pourquoi je le vois pas? Normalement il est par là, là. Ah le voilà. J'ai eu trop de mal, j'ai mis 3 minutes. Voilà, donc ça c'est la création de Igor Morsky Gallery. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà, je pars de ça et du coup je sais pas trop comment m'y prendre. Je pense que ce que je pourrais faire déjà, ça serait assez intelligent, ça serait de dessiner les contours des différentes parties du visage en fait. Donc pour faire ça, je vais utiliser un crayon blanc. Oui madame, un crayon blanc. Fille qui a beaucoup de crayons blancs. Allez, c'est parti.
Bon, je suis pas très douée pour ce genre de figure là, 3D, donc j'espère que ça va le faire. C'est correct. Je vais commencer par mettre le blanc. À un moment donné, il faudra que je fasse une petite pause, mais bon, ça se verra pas à la caméra. Et oulala, si je pouvais éviter de déchirer mes accessoires, ça serait bien. Donc j'ai fabriqué des petits morceaux de papier, enfin j'ai pas fabriqué des papiers, mais j'ai découpé des petits papiers pour coller en fait les morceaux qui vont ressortir de mon corps quoi, et de mon visage, comme sur la photo quoi. Mais il faudrait que je les peigne, parce qu'ils peuvent pas être que blancs, il faut qu'il y ait des ondes dessus pour qu'ils aient l'air en 3D, donc ça je le ferai après. Petite explication qui fait perdre du temps et ne sert à rien, puisque je ne vais même pas le filmer. Donc je vais peindre en blanc la partie du bas et aussi ben, le buste ici, en partie parce qu'il y a aussi du rose. Alors je vais venir fixer la peinture là, avec de la poudre libre et après je vais faire la petite partie ici avec un pinceau fin. Ok, bon j'ai fini le blanc, maintenant je vais passer au rose, donc je vais en avoir là, et sur cette partie, bah, tout le reste à part un peu le fond. Alors j'ai déjà un rose là, mais il est beaucoup trop foncé par rapport à la photo que je vous ai montré, donc je vais en prendre un petit peu et je vais le mélanger avec mon blanc. Alors maintenant je vais faire la partie fond de teint. J'aurais peut-être dû la faire avant parce que ça va être difficile là, d'appliquer le fond de teint sur ces petits morceaux. Je sais pas trop comment je vais faire parce qu'une éponge ça va être trop gros. Je vais devoir le faire au pinceau je pense. J'espère que ça va pas faire plein de coups de pinceau. Je vais essayer celui-là. Alors, ne sois pas flou. Non, je suis flou là. Alors là, oh, j'en ai mis beaucoup trop. Ça me donne encore plus faim de grignoter. Hein. On va faire un maquillage des yeux assez simple, style ça. Voilà. Et maintenant pour finir le maquillage des yeux, je vais juste mettre un faux cil, enfin des faux cils sur juste cet œil là.
Voilà, j'adore ces fossiles, ils sont beaux. Ils sont pas du tout naturels. Mais ils sont beaux. Voilà ce que ça donne. Si ça veut bien ne pas être flou. Ok, bon, ben on a fini le maquillage beauté. Et maintenant, la partie la plus, j'espère, facile. Parce qu'en fait, ça, c'était pas si facile que ça. Ça va consister à appliquer toutes les zones d'ombre et de lumière pour donner du relief à toutes ces formes-là. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu... Ça ressemble à rien, les serpentins tout plats. Voilà. Donc pour donner du relief, ben je vais utiliser du gris, du blanc, du noir, du rose foncé, voilà. Et je ne vais pas parler pour le faire parce qu'il faut que je me concentre et que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire à part que ça va servir à donner du relief. Zone d'ombre et de lumière. Voilà, c'est très très long. C'est dur en plus parce que faut pas trembler. J'en chie un peu. Ok, bon, j'ai presque fini, presque. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros et je vais rajouter des ombres tout autour de la partie blanche là. Je vais prendre du gris clair, celui-là.
Il me reste deux choses à faire. Rajouter des ombres sous la partie rose, donc sur un pot, couleur peau. Et pour faire ça, je vais utiliser une palette de contouring classique. Et après, il faudra que je colle tous les petits morceaux de papier que vous avez sûrement vus. Mais d'abord, il faudra que je les peigne. Je les ai pas tous peints, donc je fais ça. Et après, j'aurai terminé. Je pense pas que j'en ai pour très longtemps. Alléluia, c'était vachement dur. Je vais coller les petits papiers, voilà. Ça va être rigolo. Je vais utiliser des spirit gum, mon truc préféré, surtout quand j'en rêve. Et voilà, après j'ai fini. Je suis pas contente. Je suis pas contente d'avoir fini là, c'est vraiment... Je suis fatiguée là, j'ai vraiment envie de me prendre une bonne douche. Une bonne douche. C'est pas facile là de parler comme ça. Je confonds l'accent québécois, l'accent belge, des fois. J'arrête, oui. Je peux pas tout faire, des maquillages et des imitations. Je finis. Allez, ne sois pas flou. C'est très flou. C'est bon là? Non, pourquoi c'est flou? J'ai failli oublier que je suis flou. C'est bon? J'ai failli oublier que je voulais mettre une lentille là, dans cet œil. Donc après les avoir cherchées pendant 30 minutes, je viens de les trouver. Elles étaient sur le bureau, devant moi là, ici en plein milieu. Mais bon, pour ma défense, mon bureau actuellement, ça ressemble plus à un champ de bataille qu'à un bureau. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je les ai jamais portées ces lentilles. C'est un dégradé de violet rose. Ça devrait aller avec ça. En fait, c'est surtout parce que j'ai envie qu'il y ait une différence entre ce côté et mon vrai visage, on va dire. Celui qui est le plus en dessous. Voilà, je voulais que le rose ressorte, en fait, avec des lentilles de couleur. Et comme j'ai pas de lentilles roses qui fassent pas peur, parce que j'en ai, mais elles font franchement super peur, donc c'est pas vraiment le but de ce maquillage. Celle-là, je crois que c'est genre une nébuleuse ou la galaxie ou un truc comme ça. J'espère qu'elles vont pas me faire mal. Ah non, j'ai tout gâché là. J'ai tout gâché. Et ça n'avait pas rien du tout. Bon, je vais arrêter les dégâts. Ah ouais, parce que là, je suis en train de faire l'un. Je suis en train de tout ruiner là. Je vais prendre la photo finale. Et je reviens. J'ai décidé de rajouter un petit morceau de rose en fait ici sur l'épaule. Enfin, c'est même pas que j'ai décidé, c'est que c'est comme ça sur la photo. Donc voilà, je vais mettre les ombres et après j'ai fini. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. C'était quelque chose, ce maquillage. Franchement, je pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une illusion d'optique. Et ouais, peindre un truc plat en 3D, en fait, c'est plus difficile que ça n'en allait. Si ça vous intéresse de savoir combien de temps j'y ai passé, je vais compter sur mes petits doigts. Ça fait à peu près 5 heures, 5-6 heures que j'y suis. En sachant que j'ai un petit peu galéré avec des... J'ai galéré avec quoi? Je sais pas. J'ai galéré pour prendre les photos finales. J'ai un petit peu galéré pour coller les papiers. Voilà, c'est à peu près tout. Et à part ça... À part ça, eh bien, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, j'ai craché, je crache toujours. J'espère que ça vous a plu.
Si vous aimez les illusions d'optique, j'ai une playlist illusions d'optique sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller regarder les playlists et aller regarder tous les maquillages d'illusions. J'adore ça, c'est un des trucs que je préfère faire. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, allez voir aussi l'artiste dont je me suis inspirée. Laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau maquillage. Je ne vous dirai pas ce que c'est parce que ça fait à peu près 3 semaines que je vous promets de faire Harry Potter. Et voilà, je n'ai pas tenu ma promesse, donc chaque fois que je dis que je vais faire un maquillage, je le fais jamais. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai la semaine prochaine. Ce sera la surprise et comme ça j'arrêterai de dire des trucs que je ne fais pas. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Bye.